Les maires des communes et moi-même avons décidé de revoir la stratégie de collecte des déchets dans la ville de N'Djamena. Plusieurs équipes ont été déployées dans les différentes communes pour enlever les ordures entassées dans certains endroits et éliminer également les dépôts sauvages. La préoccupation du chef de l'État sur le curage des caniveaux est bien réelle, car certaines entreprises bénéficiaires du marché de curage, faute de paiement, n'ont pas pu honorer à leurs engagements. S'appuyant sur les instructions du chef de l'État, mes collègues des 10 communes de la ville de N'Djamena et la commune de la ville de N'Djamena avons effectué une mission d'inspection pour constater les manquements. Des instructions ont été données aux entreprises pour les corriger. Les préoccupations du chef de l'État sur les réserves occupées anarchiquement n'ont pas été perdues de vue. À l'issue de notre rencontre autour du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, nous avons décidé de vérifier et recenser toutes les réserves de l'État, de renforcer les mesures tendant à la protection et à la conservation des réserves de l'État et interdire toute attribution de ces réserves. Aussi, des instructions fermes ont été données à la direction de la police municipale et de la protection civile pour accroître les dispositifs sécuritaires dans les différents marchés, mosquées, églises, cérémonies et bien d'autres lieux de rassemblement public.